que me trouvais de fascinant aux États-Unis. Les échanges, l'excellence, et puis voilà, le système de gouvernance américaine par rapport au pays. Voilà, ça nous a beaucoup touché. Mais qu'est-ce qui vous a le plus touché là? Quoi, le détail? Ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est que la société civile est forte et il y a beaucoup de participation de la femme dans la société et les gens sont autonomes. Les gens ne se reposent pas beaucoup sur l'État, il y a beaucoup d'efforts de la part de la population de l'État. Et ça nous a beaucoup touché parce que nous qui sommes venus de pays francophones, là, c'est totalement différent. Et qu'est-ce que vous faites là-bas chez vous? Là-bas chez moi, je travaille en organisation et je travaille avec les survivants de conflits, ça veut dire que les victimes, les femmes et les enfants, ils deviennent de captivité. Quelles difficultés vous avez pour votre programme? On a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas assez de moyens pour les prises en charge des cas identifiés. Et pour les projets qui sont chez nous, c'est les projets d'urgence. Alors que nous, nous sommes les locaux. Le problème, ce ne sont pas les problèmes d'urgence, mais comment faire de l'insertion vraiment sociale de quelqu'un qui peut reprendre dans la vie active. Comment on vous a sélectionné pour venir ici? Comment vous avez... Comme je vous ai dit là, moi je travaille beaucoup avec les victimes de la rébellion LRA, Joseph Kony de Buganda. Nous sommes sans famille. Et c'est à travers nos actions de plaidoyer que nous avons fait que nous connaissons et que nous sélectionnons. Parce que nous sommes aussi une jeune femme leader pour transformer les situations. Mais sinon, vous êtes d'où again? Pour les jeunes, ceux qui nous regardent. Vous êtes d'où? Je suis de la République centrafricaine et je m'appelle Morgan Natchana Mondia. Le gouvernement, la transition, là, comment ça se passe? C'est calme? Ouais, c'est calme là-bas, disons. La situation s'améliore, mais vous savez que c'est pas facile parce que le pays était vraiment par terre. Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup d'encouragement. Quel est votre nom encore? Je m'appelle Natchana Mondia. De la République centrafricaine. Merci beaucoup.